Yo les Pikachu, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, vidéo assez spéciale, je vais vous parler de mes passions un peu secrètes, mes petites collections. On va vous parler de la face cachée du Lucci, cachée pas tant que ça en fait. Vous allez tout voir, vous allez tout savoir. Avant de commencer, comme d'habitude, hein, le pouce bleu qui fait toujours plaisir pour supporter le travail. Vous savez comment ça se passe sur YouTube. Et le hashtag du jour, ouais je lance ce truc de hashtag du jour, ça me fait plaisir. Je l'ai lancé sans vraiment vous l'annoncer en vidéo, mais je le faisais déjà un peu. Avant. Donc le hashtag du jour, ça sera Starbucks, c'est comment? Je vais l'écrire ici, ça sera plus simple pour vous. Mais je veux que vous spammiez ça dans les commentaires. Et si vous êtes encore plus déter, allez spammer ça sur le Instagram de Starbucks France. Bref, maintenant que ça c'est dit, intro. Je suis dans le délire, wow. Je suis vénère, je mélange les fénères, wow. Le fit, il est fêlé. La police a mis ma drogue sous scellé. Végétal ou synthétique, ton plug est pathétique. Il a aucune éthique, tellement dope. Alors, comme vous avez peut-être compris au début de la vidéo, je suis un collectionneur de cups Starbucks. Bon, ça, même si vous me suivez un peu sur Insta, vous le savez déjà. Ça a commencé quand j'étais au Maroc. Pendant le road trip, les plus anciens de la chaîne se souviendront de ce fameux road trip. La vidéo supprimée et bannie de YouTube par YouTube. Donc, ça a commencé vraiment là-bas où j'ai vu que, en fait, Starbucks, ils faisaient des cups spéciaux en fonction du pays dans lequel tu es. Et donc, c'est là-bas où j'ai acheté mon premier cup. Et c'était le cup Maroc. De base, faut savoir que je bois pas énormément de café, mais de temps en temps un petit Starbucks ou quoi, ça fait toujours plaisir, tu vois. Donc là j'ai vu cette tasse là bas bon, c'est assez basique, je sais pas si vous voyez bien marqué Marocco, je sais pas trop ce qui est représenté là ici, mais c'est une espèce de fontaine avec un riad un peu, j'imagine, hein. Derrière vous avez une petite oasis façon le désert, les montagnes, un peu tous les clichés sur le Maroc, sur les paysages, tous ces trucs là, tu vois. Bon, c'est vraiment plus pour le délire qu'autre chose, c'est vraiment de la collection, surtout que les meubles comme ça, en vrai de vrai, je les utilise pas plus que ça. J'en ai acheté un autre récemment quand j'étais au Japon. Vraiment, au Japon, ils étaient super, super beaux, les cups. L'histoire, c'est quoi? C'est que ça a été fait par des artistes un peu différents. C'était une compétition pour plusieurs artistes, des artistes jeunes, des trucs comme ça, pour lancer les nouveaux talents. Du coup, il y en avait plusieurs. Là, c'est un de Tokyo. Donc, dans toutes les villes, t'en as un. Et ça reprend un peu les trucs importants de là-bas. Donc là, vous avez un genre de crossing un peu qui est là. Alors, ça reprend un peu plein de petits éléments de la ville, avec marqué ici du coup Tokyo, j'espère que vous voyez bien, hein. Mais voilà, en vrai, ah, là c'est Asakusa, j'y suis allé, je connais très bien, quand j'ai vu ça je me suis dit oui c'est parfait, Asakusa vraiment c'est plus pour la collection qu'autre chose, ça aussi je l'utilise très peu. Quand j'étais au Japon du coup j'utilisais beaucoup parce que comme je vous ai dit j'avais du mal à trouver un bon petit déj, donc forcément Starbucks, chocolat, t'inquiète, cappuccino, tout ce que tu veux, team caramel macchiato bien sûr, et donc c'était tout le temps rempli, mais là vraiment ici non, pas trop, pas tant que ça, en vrai de vrai j'utilise pas trop, c'est plus pour la collection. Je suis allé à Tokyo, je suis allé au Japon, hop, j'ai ramené le petit cup. Après, là, on va passer dans les cups que j'utilise vraiment pour aller chez Starbucks. Vraiment ceux que je prends quand j'y vais. Ces trois là. Donc ça coûte 2 balles. Je vous ai même pas parlé de prix, mais les trucs, là, ça doit coûter 20 euros, je crois, les mugs comme ça. Et ça coûte vraiment 2 euros. T'as des réductions en plus à chaque fois que tu les utilises là-bas, donc c'est bénef. J'avais fait le calcul la dernière fois et je crois que c'est à partir de 80 Starbucks que tu l'as rentabilisé ton cup. Mais au calme, ça permet quand même d'être plus écologique parce qu'il faut savoir que Starbucks, les cups qu'ils utilisent en carton là, ils ne sont pas recyclables, donc c'est quand même un petit geste en plus pour la planète. Quand tu sais que tu y vas souvent, enfin c'est mieux d'avoir ça en vrai. Donc ça, c'était un qu'ils avaient sorti pendant Noël, donc rouge et vert, tu connais le vert, logo classique, mais couplé au rouge, c'est bien les couleurs de Noël. Ils avaient fait aussi un blanc qui était là un peu tout le temps, c'est le classique, vraiment normal. Et vous avez le vert qui est le nouveau de cette année, et je vais vous montrer, il a une petite particularité, tu vois, je vais vous montrer ça. J'ai carrément sorti la bouilloire pour vous montrer. Ça, c'est du professionnalisme. Donc, vous voyez, là, c'est vert. Et attention, tour de magie. Incroyable. La couleur change. Donc bon, c'est assez gadget, assez accessoire, mais quand j'ai vu ça, ça m'a bien fait marrer sur le coup. Ça coûte 2 euros, je me suis dit, vas-y, on va se faire plaisir. Un nouveau cup à rajouter à la collection. Tu vois, c'est des barres, si tu fais ça par exemple, hop, ça fait des petites vagues, t'as vu, c'est très très cool. Et là du coup, en vrai de vrai, tout à l'heure je vous disais rouge et vert, couleur de Noël, bah là on est encore plus sur du Noël à fond, quoi. Là c'est carrément ça. Et maintenant, les cups que j'utilise vraiment dans ma vie de tous les jours, quand il faut boire
des sodas ou des trucs comme ça. Parce que oui, moi je bois pas trop aux canettes, aux trucs comme ça, même aux bouteilles et tout. Je viens d'un pays où on te disait que les rats pouvaient avoir potentiellement pissé sur les canettes ou pissé sur les bouteilles. Donc tout le temps il fallait transvaser, il fallait boire dans des verres ou il fallait bien essuyer, être sûr, tu vois. Donc du coup j'ai gardé un peu ce réflexe et j'utilise maintenant des cups comme ça tout le temps. Donc là vous en avez un assez basique. Alors, ils sortent de la vaisselle, donc il y a de la buée dedans. Mais voilà, en gros c'est des cups assez basiques, assez simples. Encore une fois, pour ce qui est de l'environnement et tout, vraiment c'est ce qu'il y a de mieux quoi. Tu n'utilises pas de verre en plastique, tu jettes pas. Ça se conserve assez longtemps, ça fait des années maintenant que je les ai pour la plupart. Donc vraiment, je recommande. Si vous buvez beaucoup de trucs et tout, je recommande des petits bails comme ça. J'ai aussi celui-là qu'on m'avait offert pour Noël. Donc t'as vu, clairement, ça fait un peu meuf parce que ça brille façon et tout. On s'en fiche, c'est les fêtes, voilà quoi. Faut être non-genré apparemment, de ce que j'ai cru comprendre. Bref, ça brille, rouge, couleur des fêtes aussi. Là, j'ai un bleu qui a été... Non, je peux pas déclarer. Mais sachez que celui-là, il a une histoire bien particulière. C'était assez drôle, je ne vous la raconterai pas malheureusement, désolé. Mais il est bleu, il est assez sympa. En vrai, je l'ai eu gratuitement, sinon je pense pas que je l'aurais acheté. Parce que moi, je préfère quand même quand c'est transparent, quand tu vois à travers et tout. Mais c'est toujours cool à ajouter à la collection. Connais. Là vous avez le classique, le premier que j'ai acheté avec le logo vert. Vraiment celui-là c'est celui que j'ai depuis peut-être 3 ans facile. Il tient l'épreuve du temps. Enfin vraiment, le seul truc chiant qu'il va y avoir sur les cups, c'est nettoyer les pipes. Ce que j'utilise moi, c'est un pic à brochette avec un petit, je coupe un petit bout d'éponge, un pic à brochette et tu vas comme ça, tu frottes bien. Normalement tout s'en va, mais c'est vrai que ça va être le plus chiant à garder longtemps, c'est la pipe, parce qu'après tu auras des espèces de débris, des copeaux, de trucs bizarres. C'est normal hein, c'est avec le temps, tu vois, il y a des dépôts qui se font. Mais ça va être ça vraiment le plus chiant à laver et le plus chiant à entretenir là-dessus. Et pour la fin, je vous ai gardé le meilleur, le plus what the fuck, c'est celui-ci. Alors celui-là, peut-être que vous voyez pas bien à la caméra, mais je vais vous en mettre un autre à côté pour vous voir la différence. Donc ça, laissez-moi vous dire que c'est introuvable en Europe, ce genre de bail. Ça nous vient tout droit des États-Unis. C'est ma soeur qui me l'avait ramené quand elle était encore là-bas. Et donc là, on a une taille, la taille, elle existe même pas en France, tu vois. T'as Tall, Grande et Benty, mais là, c'est carrément au-dessus du Benty. Genre là, c'est... Wesh, ça fait combien de centilitres en vrai de vrai? Attends, c'est peut-être marqué derrière. 710 millilitres. Ouais, donc 71 centilitres, c'est plus de 2 canettes, quoi. Donc là, t'as de la place pour mettre tout ce qu'il te faut. Et bon, franchement, je l'utilise rarement parce que... Vas-y, c'est vraiment gros, mec, c'est gros. Tu mets une canette dedans, ça remplit à moitié, du coup, même un peu moins que la moitié. Inutile. Là, c'est vraiment quand tu sais que tu vas être longtemps dehors, que t'as juste une potion sur toi et tout, tu remplis ça, pas où ça fait l'affaire. Mais sinon, les plus petits, ils sont plus utilisables dans la vie de tous les jours. La preuve, c'est que j'avais fait tomber un cup et il y avait ça qui s'était cassé ici. Et du coup, je l'ai mis sur celui-là vu que je l'utilise quasiment pas. Je me suis dit, moi, ça, j'aimerais pas. Mais au moins, pour la collection à avoir, c'est sympa. Donc là, vous avez vu ma première passion, mais ce n'est pas tout. Eh oui. Je suis un homme avec de nombreuses passions. YouTube en est une également, mais ce n'est pas tout. Les cups en sont une également, mais ce n'est pas tout. La troisième, c'est mes stickers. Alors, vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais effectivement, je collectionne les stickers. Au début, je m'en rendais pas compte que je les collectionnais, mais c'est au fur et à mesure du temps. En fait, je mettais tout dans cette pochette, et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'ai un vrai stock de stickers qui est là, quoi. Et avec des trucs qui sont, ma foi, très très sympathiques. Alors là, vous avez le truc que j'ai reçu le plus récemment et le plus cool, je trouve. Donc, je vous l'avais déjà montré dans la vidéo de l'unboxing Longchamp Pokémon. D'ailleurs, vous pouvez aller voir la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Mais c'est des stickers de Longchamp, en fait, c'est écrit Longchamp, avec des Pikachu un peu partout sur les trucs. Je trouve ça assez sympa, assez kawaii. J'en ai une deuxième comme ça. Le gars, quand il m'a vu, je lui ai montré mes tatouages direct, je lui ai dit, gros, moi, Pokémon, tu connais. Il a fait, ah ouais, il a mis bien. Je vais carrément tous les sortir en vrai, et je vais les ranger après, mais au moins... Vous pouvez voir qu'est-ce que ça représente comme ça en main. Il y en a vraiment des incroyables. Il y en a vraiment énormément. Un de mes préférés, ça c'est un Benibla à l'époque. Je crois que c'était pour un concert qu'ils avaient fait et tout. Et là c'est avec le maillot de Chelsea, un peu comme dans le clip Madara et tout. Très très sympathique. Là j'en ai un Pacta. Je vais pas tous les faire, tu vois, mais là c'est des trucs de Edible à Amsterdam. Là, ah ouais, j'avais acheté une planche aussi de Cactus Jack quand il avait sorti les bails. Tu vois, là t'as par exemple la terre, là t'as le petit Cactus Jack. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Petit sticker H22. J'avais pris une planche aussi chez Rip and Deep. Je sais pas si vous connaissez cette marque, mais vraiment c'est une marque que je surkiffe. Dans leur communication, c'est extra lourd. Là il y a les autocollants Mabé de ce bon vieux Mabé. La Killbox,
Donc énormément de marques, on va pas toutes les faire, tu connais. Là, c'est pas mal ça. Ça c'était aussi Beniblab pour le même bail à chaque fois. Je crois que c'est Bazasama qui m'avait ramené ça, donc SO Bazasama. Depuis le temps, on est toujours là, tu connais. En mode syrup. Là, on a un Suprême, une espèce de course de cowboy façon, ça se tire dessus. Vous avez quoi là encore? Suprême et un artiste, j'ai oublié le nom du mec, mais j'avais pris un long sleeve et il me l'avait donné avec. Donc en plus, ils ont tous une histoire, tu vois. Là, c'est encore un Suprême, Lionsgate, je sais même pas si c'était dans quoi. Kings of New York, tiré du film, je pense, Kings of New York. Je n'ai pas vu, désolé, ne m'en voulez pas. Énormément de Suprême, hein, quand même. I Know Supreme, ça aussi, c'était la collab avec je sais plus qui. Ça, c'était quand j'étais allé au Japon. On va vraiment pas tous les faire, hein, mais je vous montre vite fait, t'as capté. 300 yens, 3 balles le stickers. Je dois aussi obligatoirement passer un SO au poteau Subakud. Là, vous avez ce bon vieux Marvin Gaye, collaboration avec Suprême, encore une fois. Suprême, ils font vraiment des trucs qui sont assez ouf. Ça, c'était vraiment ma première vraie OP, c'est pas un sticker, tu vois. Mais c'était un petit mot que m'avait laissé la marque Horace. Je l'ai gardé dans ce truc-là parce que c'est beau. Là, t'as encore un Suprême, Man in the Hat. Il y a vraiment des trucs de ouf. En vrai, je vous cache pas, il y a des trucs de ouf. Là, il y en a deux de chez Sensi Seeds. Sensi Seeds, si vous ne connaissez pas, grosse marque de graines. Là, oh, ça, c'était un des premiers que j'ai commencé à collectionner et tout. Avec Dancy, c'était les premiers à avoir bien abordé ce délire de stickers et tout. Et donc, j'en ai pas mal. Là, ben, des stickers Horace aussi qui m'avaient passé, que j'ai toujours pas utilisé. Hôtel Radio. Donc, en fait, aussi tout ça, à chaque fois, ça me rappelle des histoires qui sont tout le temps différentes. Là, c'est carrément Pokémon, il est sous plastique, tellement c'est précieux. Dracolosse, tu connais. Enfin, vraiment, il y en a beaucoup. Ah, laissez-moi quand même vous montrer celui-là. C'est un box logo Suprême. Je sais pas si vous allez voir sur la vidéo, mais Suprême est écrit un peu en relief. Donc c'est les stickers normaux Suprême, sauf que là c'était pour un truc bien spécial. C'est au début d'une saison, il me semble. Ah, là, je crois qu'on le voit un peu là. Ça... Ah, qu'est-ce que vous avez d'intéressant? SO Exojuice, SO Artichaut Production. Non, vraiment, j'ai pas mal de stickers, les gars, je vais pas vous mentir. Qu'est-ce que j'ai encore de super intéressant que je pourrais vous montrer là? Là, il y a un Soulbox, boutique à Amsterdam, si je ne m'abuse. Là, il y a un Jeune Suprême, par exemple, encore. Sticker 667, équipe à fond. Sticker Mister XOG, j'en dirai pas plus. Sticker All Might, sticker Luffy, sticker Midori. On a tout. Ça, c'est carrément une collab. C'est une collab entre One Piece et le Temple d'Or. Voilà. Attends, c'est écrit derrière. Kinkakuji. Et tu vois, là, c'est carrément un officiel parce que t'as le petit sticker de la Toei juste ici. Donc là, c'est des trucs officiels. On est sur du stickers de compétition. Ça, vraiment, c'est ma collection. Vraiment, j'en suis le plus fier. Genre, j'ai vraiment pas mal de trucs Suprêmes qui étaient cool un peu à l'époque. J'en ai placé aucun. Je vais vous en parler juste après pourquoi j'en ai placé aucun. SOS Factory aussi, il m'en a envoyé pas mal. Il y a le Virus Shop aussi. Là, tout le monde a sa pub. C'est le moment. Bah oui, pub pour tout le monde. Studio 412. Bon, voilà. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Oh, SO Point Ardent, PLEG, très important. SO Point Ardent. Donc voilà. Sticker Ronflex, il y en a, ils sont tellement stylés, j'attends juste le bon moment pour les coller, quoi. Non, vraiment, je kiffe. Donc, je vous prendrai quelques plans pour vous montrer un peu en ancien aussi tout ce qu'il peut y avoir d'autre. Mais voilà, c'est une collection que j'ai commencé sans vraiment m'en rendre compte. Juste, on m'envoyait tellement de stickers à chaque fois. Bah, je les stockais, je me disais, je vais pas les mettre n'importe où. Mon ordi, c'est pas une poubelle aussi non plus. On était là, on attendait, et je me suis dit qu'un jour, ce que je ferais, c'est que je prendrais une planche, je ferais un truc bien clean, un petit tableau ou quoi, et j'en collerais plusieurs. Je ferais un espèce de patchwork, ouais, c'est comme ça qu'on dit, avec plein de stickers. J'ai commencé à me pimper aussi un peu mon frigo, des petits trucs comme ça. Mais vraiment, la pièce la plus importante, c'est que je vais faire un jour, ça sera de tout mettre sur un tableau. Et qui sait, peut-être que je filmerai ça. Dis, c'est quoi? Do it by yourself? DIY you? Bref, je ne sais pas, vous le savez sûrement mieux que moi.
Alors oui, peut-être vous dire que je vais faire des stickers aussi dans pas longtemps. J'espère que j'aurai l'occasion de vous en envoyer à tous et peut-être que ça lancera des carrières dans la collection de stickers chez certaines personnes. En tout cas, moi vraiment, je sais pas pourquoi je kiffe ça plus qu'autre chose, mais je trouve que c'est cool comme truc, ça se met un peu partout. Il y a des trucs qui sont vraiment stylés. Quand tu prends une attention toute particulière au truc, ça rajoute un petit cachet au bail. Et je sais pas, je pense qu'au fond, on est tous un peu comme ça, on kiffe tous les stickers. Et je sais que pas mal de fois, ça m'a surpris quand j'ai sorti ça et qu'il y avait des potes là, ils étaient tous là en mode wow, vas-y, t'as plein les trucs et tout. Je peux te prendre ça. J'ai même blâlé suprême. Ils sont passés où mes suprêmes d'ailleurs? Ils sont disparus. Bizarre. Bon, en tout cas, j'ai kiffé faire cette vidéo. Vraiment, encore une fois, ça c'est des vidéos stupides, mais que je kiffe faire parce que je vous parle de trucs que j'aime, donc forcément, ça glisse tout seul. C'est pas comme avec le rap où il faut faire des recherches forcément sur des trucs ou quoi. Là, c'est vraiment, je vous parle d'une passion et je sais pas si on en refera d'autres des vidéos comme ça parce que bon, j'en ai pas 40 millions des passions, mais il y en a quelques-unes que je peux vous montrer encore. Ne vous inquiétez pas. On arrive à la fin de la vidéo, comme je vous ai déjà dit. Vous savez ce qu'il y a à faire. Mettre le pouce bleu pour supporter la chaîne, mettre en commentaire. Et je vous ai dit, le commentaire, c'était Starbucks, c'est comment? Je compte sur vous pour spammer ça, je vous lirai avec attention. On se capte demain pour une nouvelle vidéo. C'était Lucci, je vous dis peace. Fuck la magie, SO Asta. Je vais te capturer comme si je m'appelle Sacha. Ça suce des bites à la ligne. Je t'ai posé sur tilt avec double pump. J'ai la candy, j'ai la cash, j'ai l'engui et j'ai la puff. Tu l'as rêvé, tu veux l'acheter? Lève ton cul et va bosser. Lucci gang gang gang.